Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Un interview une minute assez particulier aujourd'hui puisque je suis en compagnie de mon ami Antoine. Antoine qui vient de terminer un périple de plus de 2 mois. Mais Antoine, tu étais parti où? Tu as une minute pour me dire d'où tu es parti, d'où tu arrives et pourquoi tu fais ça. Alors je suis parti de Caen en voiture jusqu'à Moscou. On a laissé notre voiture, on a pris un avion jusqu'à Pékin avec Philippe, mon équipier. Et nous sommes revenus de Pékin jusqu'à Caen en vélo en traversant la Mongolie, la Russie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique et la France. Donc pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que selon certains, j'ai un petit brin de folie dans la tête et je l'assume. Mais je fais ça aussi pour un défi humain et je fais ça aussi pour l'environnement, pour parler aussi de l'environnement. Et je fais ça aussi pour dire que c'est pas parce que je suis paraplégique, parce que moi ce que tu n'as pas précisé c'est que je ne peux pas bouger mes jambes. Donc je pédale avec mes bras comme vous le voyez. Donc c'est pour dire aussi que la limite de la vie c'est de vivre sans limite et vivre ses rêves et non pas rêver sa vie, c'est ma devise. Bien, merci Antoine, bien, je crois que voilà encore un très très bel exemple qui montre que quelles que soient les soi-disant différences, on est capable tous de faire de belles et de grandes choses. Antoine, je te souhaite bon vent pour les 20-30 derniers kilomètres qu'il te reste. Quant à nous, prochaine interview, une minute d'ici quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.